Si j'ai comme tout le monde les yeux plus grands que le cœur, et le cœur qui se démonte pour un soupçon de bonheur, si j'ai mal à mon enfance, j'ai l'avenir courageux, et pour un prix d'excellence, j'abandonne tous les jeux. Mais je me sens dérisoire, juste à côté de l'histoire décalée, comme un point dans une image, comme un petit personnage de 100p. Parfois je me sais poète, Ronsard n'est pas mon cousin. Je voudrais mourir pour être déjà dans tous les bouquins. Je supporte qu'on m'admire, ça fait du bien quelquefois, mais un oubli vient me dire qu'au fond je n'existe pas. Et je me sens dérisoire, juste à côté de l'histoire décalée, comme un point dans une image, comme un petit personnage de 100p. Pourtant je reprends courage et je me sens rossignol. Je voudrais que mon ramage et ma voix de flûte en sol puissent toucher tout le monde, faire partager mes joies. Mais j'apprends que sur les ondes, on n'a pas besoin de moi. Et je me sens dérisoire, juste à côté de l'histoire décalée, comme un point dans une image, comme un petit personnage de 100p. On se croit irremplaçable, mais on n'est finalement qu'un infime grain de sable entre les griffes du vent. Il arrive aussi qu'on gagne, mais on perd au prochain coup. On déplace des montagnes qui ne sont que des cailloux. Et on se sent dérisoire, juste à côté de l'histoire décalée, comme un point dans une image, comme un petit personnage de 100p. Je continuerai ma route, chez moi on ne s'arrête pas, et je laisserai sans doute quelque chose derrière moi. Alors le plus bel hommage, ce serait de me laisser me promener dans les pages. Je ne ferai que passer, et je serai provisoire, une fourmi dans l'histoire rassurée, un être humain dans la foule, dans la tendresse qui coule de 100p. Comme un point dans une image, comme le petit personnage de 100p.